mountains. I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and I then produced my rapier. Sing, stand and deliver, for you are a bold deceiver. Musher in the madoo da mada. Quack fall on the daddy-o, quack fall on the daddy-o. There's a key in the jar. I counted out his money and it made a pretty penny. Bonjour Karine. Donc salut mes guicounets, salut mes guicounets, salut les guicounets. Alors aujourd'hui on est en compagnie de Karine Aimé ou Miss Titi, ex-berrurier noir, ex-choriste des berruriers noirs qui vit à Pornic depuis quelques années et qui a reformé un groupe dont elle va nous parler. Et on avait envie de faire ce premier mini questionnaire de Pornic Geek inspiré du questionnaire de Proust À Karine dans une superbe voiture, une limousine de la société LP Limousine qui fait de la location donc de voitures de maître. Non, ça se dit pas. C'est comment de on dit grande remise. De grande remise, de grande remise, de voiture de grande remise. Et on va donc Isabelle va vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Alors c'est un joli traquenard mais fort sympathique, donc il faut vraiment se détendre. On a sélectionné une petite poignée de questions extraites du questionnaire de Proust, ce qui va nous permettre de faire un peu plus connaissance avec Karine. Voilà, donc Karine, on va bientôt te poser les premières questions. Tu as reçu le questionnaire, tu as eu le temps d'y réfléchir, mais tu sais absolument pas quelles questions on va te poser, donc on y va. Alors ce fameux questionnaire, il se compose de 31 questions que je ne vais pas évidemment vous poser parce que ça ferait vraiment beaucoup. Donc on en a sélectionné, Pascal et moi, quelques-unes. Alors la première, c'est la qualité préférée chez un homme. Ah, la vache, ça attaque fort là. Déjà, j'ai pas travaillé les questions, hein. Je vous préviens, je suis une mauvaise élève. Mais c'est tant mieux, c'est pas grave. Ah, chez un homme, tout ce qu'il y a de plus chouette, quoi, la tendresse, l'humour, la générosité, l'honnêteté, voilà, l'écoute, comme chez plein de gens, quoi, pas spécialement un homme, mais... Oui, parce que j'ai la même question concernant les femmes. Bah, je dirais pareil, c'est l'esprit de partage, de bienveillance l'un vers l'autre, et puis voilà, donc... Je suis sûre qu'il y a plein de mecs bien comme ça. Ça existe. Je vais mettre une petite annonce. Hein. On veut bien. Alors, si vous aviez à décrire un rêve de bonheur, ce serait quoi? Oula. C'est chaud les questions. Alors, y en a plein. Hein. Déjà, la paix sur Terre, ça c'est génial. Et puis, la paix et l'harmonie, voilà. Moi, c'est quelque chose en quoi je crois. J'espère que ça va se développer de plus en plus face aux violences mondiales qui existent. Et voilà, j'ai pas tellement de rêves. Après, j'ai des petits rêves qui ponctuent ma vie, que j'essaie de réaliser. En fait, je suis quelqu'un qui essaie de réaliser tous ses rêves. Voilà. Donc ça, c'est un grand rêve mondial, mais à petit niveau, j'essaie de réaliser plein de choses autour de moi. Ok. Et qu'est-ce que vous aimeriez être? Personne d'autre que moi. Parfait. Oui, parce que des fois on admire des gens, mais finalement, je me dis finalement, j'aimerais pas être à leur place. Même si je les trouve géniaux, je préfère être dans ma vie, dans mon corps, dans ma tête, même s'il y a plein de choses que j'aime pas. Je suis bien avec moi-même. J'aime ma propre compagnie. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? D'accord. J'aime pas qu'on me voit. Moi non plus. Putain, ça donne chaud, ça. C'est de la buée, là. Pas d'essuie-glace. Qu'est-ce que je déteste? La violence, toute la forme de comment dire, d'esclavagisme. Je déteste le... l'asservissement des enfants au travail, qu'on fasse mal aux enfants. Voilà, je déteste le mensonge, l'hypocrisie, les gens faux, les gens qui trahissent. Voilà, ça c'est des choses qui me font beaucoup de mal.
Donc c'est un morceau qui s'appelle Whiskey in the Jar, qui était interprété par les Dubliners et aussi Thin Lizzy, qui a fait une version. Voilà. C'est la merde, hein. Pas grave, tu couperas. Merde. As I was going over the far from Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and then I produced me rapier. Sing stand and deliver for he were about to see the musher ring dum a doo dum dow. Walk for the daddy hole. Walk for the daddy hole, there's whiskey in the jar. I counted out his money and it made a pretty penny. I put it in my pocket and I took it home to Jenny. She saw and she swore that she never would deceive me. The devil takes the woman for, then no can be easy. Musha ring dum a doo dum da. Walk for the daddy hole. Walk for the daddy hole, there's whiskey in the jar. Ha! Funny song, isn't it? Donc, écoute Isabelle, je crois qu'on va remercier... J'espère que vous êtes content, ouais, parce déjà, que nous, on est ravis. Nous, on est ravis. Ça a été un super petite interview avec Karine, qui nous a fait... qui nous a le donné, grand plaisir. Donné du bonheur, donné du bonheur. On remercie Pascal de LP Limousine, qui nous a prêté cette limousine. Et puis, on va surtout laisser Karine conclure en indiquant une date, peut-être, où on peut... Oui, où on pourra la revoir, on pourra la voir, la découvrir pour certains, oui, ce serait intéressant. Voilà, donc une date. Et puis, je crois que Karine a un petit message pour nous les femmes. Ouais, un joli message. Alors, si vous voulez me retrouver, c'est sur Facebook avec Magical Mystery Punks ou Mystity Irish Show. Avec les Magical, on a une date pour la clôture du Carnaval au Rock à Saint-Brieuc le 22 octobre, dimanche. Concert Magical Mystery Punks. Voilà, donc n'hésitez pas. Et le Mystity Irish Show, vous m'invitez dans votre pub local et puis je viendrai. Voilà. Et je voulais conclure avec une phrase issue du poème sur la paix, ça commence par moi. Voilà, de Kaneko Ikeda, de la foi courageuse d'une seule femme peut naître un grand réseau de bonheur et de paix. And she swore that she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. Mushering dumma doo dumma da. Quack call the daddy o, quack call the daddy o. There's whiskey in the jar. I went unto my chamber all for to take a slumber. I drank of golden jewels and for sure it was no wonder. But Jenny drew me charges and she filled them up with water. Then sent for Captain